Alors, où sont les points de contrôle du Sud-Africain? Oh putain, mais je vais rusher ça. Allez hop, c'est parti, Johannesburg. Hop. On va prendre quelques risques. J'ai les divisions libyennes commandées par Al-Mushati, Al. Et on va attaquer Mogadiscio. Je pense qu'il y a un dépôt de ravitaillement à Mogadiscio, voilà. Putain, il y a 1500 d'oil et 500 de supply à Mogadiscio. Hein. Pas mal. Hein, à une époque, on se serait prostitué pour avoir 1500 d'essence. Ouais. Hein. C'est ce qu'on avait capturé à Moscou, quasiment. Ouais, puis on s'était dit, putain! Putain, il y a 3 portes, 4 porte-avions qui nous attaquent Manchester. La Viking qui est enfin en Panthère 2. Ouais, ça y est, je viens d'avoir là. Ils sont beaux. Ils sont beaux, Sam. Bon, par contre, c'est con hein, pour le Congo belge. Ah, c'est bon, je suis en train de le bouffer là. Non, mais faut traverser le Congo. Ouais, c'est ça. Et puis lui, hé, Léopoldville, c'est aux rebelles là. Oui, il me troll, tu vois. Attends, mais c'est mes Israéliens qui sont déjà en pointe du dispositif. Putain, ouais, oh là 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 là, 2,8 km/h dans la jungle. Les monstres. Ah non, mais ouais. Les autres de base, ils sont à 0,9 quoi. Même les montagnards sont à 0,9. Les montagnards alpins 48 sont à 0,9. L'infanterie à 0,8 et eux sont à 3 km/h. Ok. Incroyable. C'est de ça Al quoi, tout simplement. Hein. Simplement, hein, non. Ouais. Alors, est-ce t'as pas une division de Marines qui traîne? Enfin, un corps de Marines. On avait 9 divisions de Marines en tout. Il y en avait 6. Il y en a 6 aux Bermudes et il y en avait 3. Ah, voilà. Ok, ils sont tous aux Bermudes. Voilà. Ok. J'en ai utilisé que 6 pour les Bermudes, il doit en rester 3 autres. Ah, je voulais parce que je voulais débarquer, je voulais commencer l'opération Irlande. Ah ouais, je trouvais que 3 Marines, je me demandais où c'est que lui avait mis. Mais De Valera nous a assez trollé comme ça. Ouais. On n'a pas reçu notre notre shipment de Guinness. De donc. Guinness. Göring a dit stop. De Valera, vous allez trop loin. Ces abus doivent cesser. Je crois qu'il y a eu assez d'abus dans cette guerre. Hein. Ah bon, hein. Entre Franco qui décide de jouer au chevalier blanc et sauver l'Europe, Orny qui dit qui. Orny qui a déclaré la guerre à la moitié du monde connu. Et l'autre moitié, il a juste envoyé les émissaires pour leur dire qu'il les aime. C'est à cause son moisi. Déclarer la guerre romantique. C'était qu'il a effrelaté. Je me suis ouvert les plaines de l'Afrique du Sud là et là maintenant ça y est. Hein, c'est... Ça roule. Ouais, je vais arriver à Johannesburg prochainement. Les Bermudes sont à 7 de bases aériennes, enfin 10 de bases aériennes construites mais on les monte et 8 de bases navales. Oh putain, mais de se perdre 2 sous-marins. C'est cet enculé de Brésilien qui nous met la misère en plus. Voilà, hop, c'est parti. Hein, là, j'attaque comme un. Je lui fais une blitzkrieg en Afrique du Sud, là. Il est temps qu'il goûte à mes gros canons. On sait comme ton canon est gros. C'est dû au bitzer, hein. Ça rigole pas, hein. Oh là 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 là, le combat dans les marécages. Ouf. Ah, quand on était jeune. Oh, c'est ce qu'on faisait dans le Pripyat. Ouais. Jadis. C'est ce que nos pères ont fait dans le Pripyat. Ok, les Bermudes sont à 10-10-10. Ah, excellent. Ça veut dire 10 de bases navales qui sont en train d'être reconstruites, 10 de bases aériennes, 10 de DCA. Les Panzers, je leur ai mis... Il y a 4 provinces à faire, j'aurais mis directement la destination Captain. Ça va rouler, hein. Je suis à une province de Léopoldville et 2 provinces de Captain. Ah, victoire à Mogadiscio, parfait. Oh, il y a des petits nouveaux qui viennent d'arriver, une division d'infanterie australienne. Ah bah elle va arriver et elle va disparaître. Putain, bon, les troupes allemandes, elles sont cuites en Afrique du Sud. Ouais, un dernier petit effort. Oh, je me prends des B-26 maraudeurs qui bombardent mes pointes. Bande de colossaux enculés. Oh, putain, je vais pas réussir à prendre Captain. Il y a une division d'infanterie retranchée dedans. Bon, bah, on va faire un petit break, là. Alors, oh, les Américains qui nous volent des techs. Nos torpilles, putain. Les Israéliens marchent sur Léopoldville. Parfait. Ils vont nettoyer les partisans. Ah, mais Serge Pitt P-1100, hein, excellent. Premier avion du monde à géométrie variable. Les Américains l'ont copié, on fait le Bell X5. Qui ressemble comme deux gouttes d'eau au P-1100, vu que c'est le proto qui a été fini aux États-Unis. Les Panthers 2 à 6 km/h en Afrique du Sud. 5-4 exactement. La première escadre allemande est à Bruges. Se cache à Bruges, je devrais dire. Je lance l'attaque au 1er avril. J'ai même pas pris le contrôle militaire des Libyens. Tu vois, j'en ai rien à foutre. Ils sont même pas sur la carte d'état-major. Ils sont même pas sur l'ODB, tu sais. Bon allez, je vais tenter un assaut sur Captain. Putain, il y a de la montagne en plus, oh là là. Allez le Libyen, donne-moi le commandement de tes légions. T'as les Libyens et les Israéliens côte à côte.
C'est beau le Troisième Reich. On arrive à faire tout le monde copain, hein. Eh oui. Avec un Luger dans le dos, bizarrement, tu trouves plein de points communs avec le mec d'une religion différente et tout. Captain est tombé. Les Panzers sont en train de... Oh là là, 6 TAC, 6 B-26 américains. Victoire à Léopoldville. Je vais pouvoir annexer le Belge. En même temps, qu'est-ce qu'il lui reste, le malheureux? Tu sais que De Valera nous a toujours pas envoyé ses bières, hein. Bah, il est grand temps de le défoncer, hein. Oui. Et comme il m'a l'air un peu trop copain avec son... Ouais, c'est vrai qu'il y a son laxisme vis-à-vis des autorités américaines locales... Est inadmissible pour le grand Reich millénaire. Déclare-lui la guerre. Il est grand temps qu'on poutre l'Irlande. Le Führer m'a donné son autorisation. Je vois la flotte allemande. Les 4 porte-avions allemands. Seydlitz, Peterstrasser, Zeppelin, Clausewitz. Putain, on a deux belles escadres, hein. Saut de para sur Cork? Non, on va... Ah oui, je peux sauter sur Cork. Oui, comme ça, tu prends le port et tu poses directement tes divisions. Boum! Il y avait 80% à Belfast, ils sont à 3. Oh, avec... moi, ouais, mais... AV3, ouais. Alors, le premier Flieger Corps saute sur Cork. C'est parti. Ah non, boum! Allez, il va sûrement rentrer dans les alliés dans la foulée. Il est dans les alliés, j'ai rien. De panique. Genre, mais, c'est... Vous voulez quoi? Alors, ils sautent ces paras ou quoi? Ils sont partis, ils sont en mer du Nord, ils sont au-dessus de Berlin, Waterford, boum! Deux divisions de parachutistes, dans la foulée, les infrastructures portuaires ont été prises, bam! 10 divisions allemandes, du Marines, du Mecha et de l'infanterie pour la ligne. Oh, c'est Guderian qui commande l'assaut sur... Le Cap. Sur Cap. Oh là là, j'ai 7 maraudeurs qui me matraquent la gueule. Je peux te dire que j'ai des Panzers, ils perdent de la manpower là. Ça va vite, hein. En Irlande, hein. Je suis arrivé avec quasiment toute la Panzerwaffe, mais bon. Ouais, je vois, il y a du char, hein. Ouais, attends, la France. Ouais. Bah, normal, hein. Ça va vite suivre avec 42% d'infra, hein. Ça va. L'orgue, elle va monter, hein. L'Irlande vient de se rendre. De Valera dans ses nus devant nous. Ah, la Belgique n'est plus. En même temps que les Irlandais. L'Afrique du Sud devrait suivre dans pas longtemps. On a 4 nukes de prêtes. Mmh. Et la prochaine est prête. Dans un mois. Et 55. On se met 50, pardon, ouais. On en a 5 en fait. Ouais, on en a 5, ouais. Voilà, il essaie d'évacuer. Il y a des... Champlain. Ah oui, ça y est, ouais, la poche américaine, là. 11 divisions. Oh, il y a deux armorades, hein. Il y a deux blindés, hein. Ouais, mais j'envoie la flotte au large de Belfast. Pour essayer de... Oh, putain, transport. Ouf. Utilise les groupes italiens là de bombardiers navals. Oh, alors ça... Ils sont planifiés, eux. Ils sont déjà leurs ordres depuis un moment. Ils ont déjà de l'expérience pour certains en plus. Oh attends, il y a des japonais. Ah ouais. Des avions japonais, excellent. La flotte allemande arrive dans le au large de Belfast. Oh, elle est belle, la flotte allemande, la Kriegsmarine, les porte-avions allemands. Enfin, s'il y en a une chier aussi, hein, mais... Pas besoin de le dire. Voilà. Il y a du Marines, du blindé, du mec. Ah ouais, bah attends, il est... Oh là 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 là. Marines, blindé, ouais. Il y a pas beaucoup d'infos. Voilà. Et voilà. Belfast, 17 divisions américaines anéanties. Ouf, ça pique. Bon bah dans la foulée, tu peux aller débarquer Groenland, Islande. Mmh. Et après, on fera un gros corps d'armée anglo-saxon pour débarquer en Canada. Et bah voilà, l'Irlande est occupée. Johannesburg est occupée aussi. Bon, je renvoie la flotte à Brest. Ah mais non, mais on a notre base navale qui est à Plymouth maintenant. Ouais, le QG de la Kriegsmarine. Et à Plymouth, là, c'est là où il va être maintenant. Bah, nos petites affaires en Afrique sont sur le point de se terminer. 1er mai 1950, on pourra faire la fête des travailleurs. Ouais. Putain, va voir mes deux Panzers, ce qu'ils ont pris avec l'aviation américaine. Où ça? C'est ceux qui arrivent au Cap. Oh putain, ouais. T'as vu ça? Je me fais matraquer par 7 TAC depuis au moins 2 semaines. Allez, pause. Afrique du Sud, ça aurait été un gros morceau. Et hop, Afrique du Sud annexée. Reste plus que la bande de Mogadiscio. Ouais, diplomatie. Liberate Nation. Alors, Algérie. Putain, le Tchad qui développe les chars lourds, hein. Oh merde. Le Tchad, hein. On a qui? Georges Lebourg. Bah putain, là. Georges Lebeau, ça manque quand même de musulmanie dans tout ça, hein. Surtout quand tu regardes aussi qui sont les patrons de la Libye. Oh putain, d'accord, voilà, bon, hein, les coloniaux ont toujours... Les chefs à leur tête. C'est ça, on voit qui sont les patrons, hein. Bon bah je vais renvoyer les navaux aux Bermudes.
veux pas dire, mais t'as vu les... Tu vas TAC les militaires en URSS. Oui. Putain, il est monté à combien? Oh là là là, on a même plus la... Il nous a dépassé technologiquement. Mmh. Eh, s'il nous déclare la guerre, ça va nuker, hein. Mais, il y a ah, ouais, là, bon, c'est... attention, il a lancé des séries de milices, hein. Bon, bah, voilà, hein. Moi, je vais faire une petite pause en Afrique du Sud. Je vais bétonner les quelques plages qu'il y a. Putain, il a des porte-avions, l'anglais. Anglais? Il y a deux CV-4 à Manchester. Oh putain, la flotte anglaise. Bah parfait, ça protégera ses transports. Et il a des transports en Angleterre, il a 6 transports. Ouais, bon, bon, on va... C'est ce que je t'avais dit il y a longtemps, hein, que l'anglais avait un... Tu voulais les envoyer sur le front russe? Non, non, on va les utiliser. Je m'occupe de l'Angleterre, de l'anglais et de l'écossais. Ça va devenir mes laquais. Et il faut que je réorganise leur armée, parce que c'est un peu le bordel. Il chie tellement de divisions, Sam. Il chie aussi beaucoup d'avions, hein. 15 divisions écossaises à réorganiser. Oh là 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 là. Putain, mais ils sont brûlants, hein. Tant mieux, c'est l'écossais qui va défendre l'anglais. Et l'anglais, on va l'envoyer... Il va nous fournir un corps expéditionnaire avec tous ses blindés et compagnie. Bon, tu sais ce que je vais faire, deux trucs. Je vais cliquer, je vais claimer la province de Suez. Comme ça, le jour où on garde Suez comme base. Parfait. Bon, on va garder Suez et Port Said. Oui, oui, oui. On a deux provinces qui sont ravitaillables des deux côtés, donc on va jamais être encerclé. Voilà, c'est indispensable. Non, mais tous les navals qu'il a encore fait, il y a encore 6 autres navals à Milan. Il a pas assez d'essence, ce con. Non, mais c'est pas grave, on va le fider, hein. L'essence, c'est pas un problème. Je vais rassembler tous les navaux italiens. T'as une base vide avec ça. Ça va partir au Bermude, ça. Putain, ils sont beaux, les skins de Junker 287. Il est temps qu'on commence à mettre nos efforts dans le Pacifique, dans l'Atlantique, maintenant. Nous allons décoloniser, mais vous allez nous envoyer de vos ressources. Ah oui, écoute, comme aujourd'hui, hein. Voilà. C'est bon, vous êtes libre, on exploite toujours les ressources. Ouais, ouais, c'est l'Italien qui va garder l'Afrique, hein. Oui, oui, c'est pas le rêve de Mussolini, non? On va se faire attaquer des sous-marins au large des Bermudes. Là, c'est par des navaux. Je vais libérer l'Irlande. Ouais, vas-y, carrément. Je serre les fesses, j'ai ma flotte qui arrive avec les trois garnisons que je dois d'abord déployer aux Bermudes. Moi, je vais être le stratégique en prioritaire d'upgrade. Est-ce qu'on peut mettre une bombe dedans depuis les Bahamas? Oui, bien sûr. Clique dessus et quand tu cliques dessus, clique to load a nuclear bomb on the unit. Ok. Ok. Juste pour être sûr, parce que des fois, vu que t'es pas connecté au mainland avec les brigades, des fois il y a des problèmes aussi avec ce niveau-là. Alors c'est juste pour savoir. Ça aurait été con, c'est faut que tu convoies la bombe par navire, tu sais, l'échec. Ok, direction les Bahamas, Amphibious Assault. On peut libérer Trinidad et Tobago, hein. Putain, ouais. Ou la Jamaïque. Ok, les Bahamas, c'est sécurisé, 4 divisions. Oh, Miami est vide, Orlando est vide. Ah, il doit pas avoir beaucoup de troupes, hein. On a dû tout lui flinguer, ok. Au passage, l'anglais s'est emparé de Reykjavik. Oh hey. Joli, joli. Oh bah, y a un arsenal, faut le prendre. Je prends la Kriegsmarine et je l'amène au Bermude. Ouais, 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 ouais. Donc. Bon, ils arrivent quand, la prochaine série de porte-avions? Ouh, 22 août 50, ça veut dire dans un mois. Oh, génial, je vais ramener 23 août, 24 août 50, 9 septembre 50, 9, 4 mars 51, 28 mars 51, parfait. Le dernier. Là-bas, là, j'ai l'escorte. Oh, attends, stop, hop. Là, il y a une bataille navale qui s'engage. Oui, on a chopé les transports. Oh, putain. Regarde au large des Bermudes, il y a une bataille navale avec des... Il a fait une attaque au port. Il a ses 50 porte-avions, putain, tous les porte-avions qu'il a. Il a que ça d'ailleurs. Ouais, puis des niveaux 6. Ah bah ouais, hein. De Dieu. Ah ouais, il a une chute, t'as vu, hein, faut faire attention avec les navires, il va falloir serrer les fesses, hein. Putain, oh, 9. Putain, là, il n'existe plus là-bas. On se fait choper. Oh oui. Attends, hop. Ah, oh, putain. 3 transports coulés. SDKFZ 186 Jack Tiger. En 50. Ouais, ça fait quand même le boulot, hein. Putain, 2 bébés neufs, l'anglais. Sympathique, tout ça. Putain, mais il est en train de nous chier des navires. C'est l'écossais qui va venir défendre l'anglais, désormais. Eh ben, Reykjavik, c'est une bonne petite base avancée d'un coup. Samuel, je marche sur Akureyri. Ça m'étonne même pas. Enfin... Bon, tu sais où est le magasin d'alcool, donc c'est bon, hein. C'est, putain, la flotte anglaise, elle est belle. Elle est presque jaloux, hein. Ah ouais, je suis jaloux, Samuel.
et on va les débarquer au Groenland. Très marrant, mais on est derrière au niveau technologie. Ouais, technologie est... réelle. Bah, enfin, tu sais, on... théorique, on est. On prenait des nukes dès 45. Alors bon, je vais tenter ma reconnaissance avec les 4 porte-avions allemands au large de. Allez, c'est parti, on y va. On va aller titiller l'oncle Sam. Bataille navale, on l'ouvre. 6 transports. Joli, mange joli. Oh putain. Et on se dirige sur le même coin que lui. Ouh. T'as vu tout ce qu'il y a à New York? Ah, sympathique. Oh, 10 divisions, ça va. Eh, on va faire quoi de ces 10 divisions? Hein? Ah, on a le choix entre les mettre dans les camps de prisonniers en Allemagne et les nourrir. On les vaporise, comme ça on n'aura plus besoin de les nourrir. Je retente ma chance et je vais aller voir ce qu'il y a à Washington. Parce qu'on pourrait remonter le Potomac avec nos battleships et nos porte-avions. Et directement aller prendre Roosevelt dans son fauteuil roulant. Roosevelt, il nourrit les vers, je te rappelle. Un transport, deux transports. Parfait, deux transports. Génial. Putain, les porte-avions, t'as vu, ils ont quoi? 88 d'organisation. Ah bah attends, c'est des monstres, la Kriegsmarine, là. Hein. Je vais aller reconnaître ce qu'il y a au large au Canada. À Saint John, par exemple. Allez, bataille à Chesapeake, bataille. La flotte allemande intercepte un transport. Tu vas aller voir au Québec. Ouais, je vais aller traîner un peu dans le nord. J'ai la flotte anglaise qui est en train de débarquer au Groenland. Le Groenland est à nous, je me rebase. Nos porte-avions n'ont coulé que des TP jusqu'à maintenant. Ah, navire canadien. C'est quoi? Oh, un petit CL-7, allez. Oh là là, on coule du navire canadien là. HMS Orion, CL, CA, parfait. Ah, oh, il a pas fait la bataille de Crète, lui? Oh, sûrement. Ah, si, le Orion, si. Il est en Méditerranée, en tout cas, je suis sûr et certain. Oh, putain, il y a aucune unité qui protège les plages. Ben, ils sont pas tous dans les camps de prisonniers de Mogadiscio? Si. Le premier chargement est arrivé aux Bermudes. Rommel et son armée. Génial. T'as pas une base aérienne en construction aussi pour le Groenland? Quoique, attends, je vais aller prendre Saint John tout de suite. Hein. Les Newfies. Ouais. Histoire de... Oh, putain, la base aérienne... Putain, 10 de base... Oui. C'est pour ça que je vais aller prendre cette merde tout de suite. Oh putain, on s'est fait intercepter. Alors. Aux Bermudes de l'Est. Vu. Ils ont chopé... Oh, c'est toute la flotte anglaise. Ah ouais. Ah voilà, transport troupen. Bah voilà. Bon bah... Hein. Plus de transport. Voilà. T'as plus qu'à remettre en construction. Eh oui. Rendez-vous dans 6 mois. 114 jours. Ouais, en plus, les transports, ils meurent tout de suite, tu vois. Donc même si t'as les yeux rivés dessus, ça sert à rien, quoi. C'est bien qu'on se soit plutôt fait choper retour qu'à l'aller. Absolument. D'ailleurs, ils sortent quand, nos porte-avions? Parce que là, on va faire une task force avec l'anglais et les deux flottes allemandes. Et on va aller chasser, dans le même quadrillage. Bombe à hydrogène. Putain. Alors heureusement, ils ont plus la portée pour venir devant nos côtes, maintenant. Bah t'as le premier porte-avions qui arrive. Ah, génial, le Barbarossa. Bon, le porte-avions qui sort, génial. Je les déploie à William Seven et on va avoir une nouvelle flotte bientôt opérationnelle. Est-ce que je peux aller directement devant Saint John depuis l'Angleterre? Oui, je peux y aller, nickel. Oh, stop. Ah, c'est des putains de navaux. Qui nous bombardent? Ouais. Ah, attends, on a deux fighters, on va faire de la air superiority dans le coin. Hop, voilà. Bon, je mets la flotte allemande en interdiction navale au niveau au large des grands, dans les grands bancs. D'accord. Allez hop, je développe les supercarriers. Putain, des BB-9, putain. Ah ouais, tu regardes la flotte anglaise, impressionnant, hein. Attends, Et une fois qu'on aura les Saint John, on va pouvoir déployer les navaux italiens à Saint John et taper toutes les bases navales, faire de l'airstrike de jour sur Halifax, Glace Bay. 6 transports, tiens, on coule encore des transports en Cap Vert. Oui, oui, ça c'est ma flotte qui chasse dans le sud de l'Atlantique. Ah ok. Putain, il a 625 pp l'américain, quoi. Tu m'étonnes qu'il chie de la viande. Allez, assaut amphibie. On a 3 divisions du, j'ai honte de le dire, du Tchad en Europe. Oh, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils sont où? Vers Sarajevo. Ah ouais, bon, ouais. Bon, on va prendre pied sur le continent nord-américain. En espérant qu'on se fasse pas intercepter par... C'est bon, mission accomplie. On a Saint John, qui est une bonne base. J'envoie 2 Huckelbein. Vas-y, envoie des avions. J'ai promu l'amiral anglais parce qu'il avait quelques difficultés à contrôler tous ses bateaux. Prochaine bombe, 1er décembre 50. Et un nouveau porte-avions. Un nouveau porte-avions, on les chie. Les navaux italiens, direction Saint John. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 9, on a 12 navaux italiens. Je vais devoir lui filer de l'essence chaque jour pour faire voler tout ça parce que le malheureux. On va te donner
10 d'essence par jour, putain, à une époque, hein, 10 d'essence par jour. À une époque, on se demandait ce que c'était même de l'essence, hein. Putain. Alors, t'as un porte-avions qui attend à Wilhelmshaven, hein. Ça marche. Et c'était la fin de la série ? Il y en a encore 3 qui arrivent en mars. Putain, je te flotte. Celle-là, elle est impressionnante. Allez, direction Saint John. 93 d'organisation, nom de Dieu. Direction Saint John. Est-ce que t'as mis des corvettes? Ah, des frégates, oui. T'as mis... Il y a un transport pas. Avec la flotte de l'Atlantique là, que t'as mis en place. Ah, tu peux le supprimer? Oh, la bataille aérienne, les U-Bahn qui ont intercepté au large du Canada. Ben, je vois. Des fighters vite! Ils vont l'ouvrir. Oh, ah, tout ce qui arrive là! Je pense qu'on n'a pas construit d'avion de la game, quasiment. Ah ouais, l'anglais, il a ses 7 équipes de tech aussi, hein, putain. Bon, je renvoie les Huckelbein en Allemagne, hein, parce que de toute façon, ils sont... Ouais. Non, non, mais moi, il me semble que la chasse se fera entre les Bahamas et le... Ouais, ouais. Déjà, si on pouvait se débarrasser de la flotte, virer quelques porte-avions. Parce que sur les grands bancs, il sort pas, hein. C'est plutôt calme. Hein. Mmh. C'est parti, Samuel. On va aller chasser entre les Bermudes et les Bahamas. 196 jours pour des turbojet naval bomber. Est-ce que j'en fais 6? Ouais, ouais, ouais. Parce que quand je vois le nombre de bateaux qu'il a dû sortir, l'américain. Et attends, il y a aussi. Il est dans le Pacifique d'en avoir une chier, tu vois. Est-ce que je libère le Maroc ou le Congo ou un truc comme ça? Ouais, le Maroc. Parce que de toute façon. Ouais, le Maroc. Comme ça, ça veut... Il va chier de la milice sur les côtes, parfait. Déjà, on est gentil, hein. On libère. Hein, dès 1950, pays indépendant. La première flotte allemande, interdiction navale. Voilà. Alors là. Va falloir avoir les yeux rivés sur les au moins de trucs engagement. On se fait bombarder à Saint John's. Oh putain, viens voir ça. Saint John's. Oh, toute la flotte. Ouais, mais tu regardes Marc, hein, que les avions comptent aussi dedans. Ouais. Oh là là. Ça veut dire qu'on va lui endommager méchamment la flotte là. Oh putain, tout ce qu'on a en plus, le japonais. Le japonais avec ses 6 ou 7 tacs. Des fighters. Et regarde ce qu'on lui a mis dans la gueule. Regarde ce qu'on lui a mis au niveau des portables. T'as vu, ils perdent la force. Ah, ils perdent, ouais. Parce que les machins, c'est un combat aérien. Ah, enfin, ouais. Oh mon Dieu. Oh, bataille. Oh, c'est bon, c'est... Oh, du brésilien. On va lui couler ça. Voilà, boum. Putain, les actions du 3 octobre n'ont pas été... Ah, ça a été une sacrée journée, hein. Il s'est cassé les doigts, hein. Il a dû croire que Newfoundland c'était porte ouverte, tu sais. Qu'il y avait 3 miliciens anglais qui avaient débarqué sur un boutre. En plus, il y a la flotte anglaise qui arrive juste derrière, avec 4 divisions, dont 3 motorisées et un HQ. Fallait pas se faire intercepter par 8 porte-avions, hein. Boum. On vient de couler un porte-avions. On vient de couler un CVE-1. Avec quoi? À Saint John's. Oh, bah, génial. Bah, t'as vu tous les bombardiers navaux qui se proient, tous les intercepteurs qui attaquent aussi. Ah oui, enfin, putain, mais attends, la bataille est encore en cours là. Oh oui. Mon Dieu, il va sûrement perdre le Cabo, le Monterrey, le Wright. Hein? Et voilà, un autre de coulé. Putain, mais ça c'est une tactique, c'est vraiment quasiment un truc de. C'est bon à savoir, hein.